Bonjour, je suis Joëlle Meyer. Je vais vous montrer comment créer une jolie carte pour la fête des mères. Pliez un morceau de papier de construction blanc en deux pour former une carte. Prenez une grande feuille de papier de construction de couleur et pliez-la en trois. Ensuite, tracez le contour d'une main d'adulte deux fois. Découpez les contours des deux mains. En tout, vous aurez donc six mains en papier. Ces six mains vont former les pétales de la fleur. Prenez du papier de construction vert et pliez-le en deux. Tracez le contour d'une main d'adulte une fois. Découpez le contour de la main et vous obtiendrez deux mains en papier. Ces deux mains vont former les feuilles de la fleur. Prenez du papier de construction d'une autre couleur et pliez-le aussi en trois. Tracez le contour d'une main d'enfant deux fois. Découpez les contours des mains et vous aurez donc six mains d'enfant. Ces six mains vont former le cœur de la fleur. Sur la carte, tracez une tige verte avec un large crayon feutre ou avec un pinceau et de la peinture verte. Collez les six pétales de la fleur en haut de la tige. Collez ensuite les petites mains au milieu de la fleur. Collez les deux mains vertes de part et d'autre de la tige. Et maintenant, il vous suffit d'écrire un message pour maman à l'intérieur de la carte. Pour d'autres idées d'activités à faire tout au long de l'année avec les enfants, abonnez-vous au canal YouTube d'Animassiette.